Ils se préparèrent à faire la guerre. Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Winkerstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Total War Attila avec le mode les 1 d'Attila, enfin il est 1 en colonie, pour l'épisode 7 de notre campagne en légendaire avec eux. Donc la dernière fois on avait réussi à s'emparer totalement de la Sarmatie asiatique dans le sud de la Russie. On avait récupéré la province avec Anacopia, Samandar et Tanaïs. Et on était déjà en train de commencer à préparer nos armées pour l'Ouest aussi, pour la seconde partie de campagne. Donc Attila en personne, ainsi qu'une autre armée pour envahir la Hercynie, qui est actuellement loin des Lombards, donc c'est pas pour tout de suite. Et on avait aussi pas mal de reconstruction à faire en Sarmatie asiatique suite à la prise de la cité, qui était aux mains des Arméniens. On avait déclaré la guerre contre eux et certains de leurs alliés. Mais bon, ça devrait aller globalement. Donc on va déjà reconvertir la cité. On va mettre ça au niveau 1. On a un port ici. On va mettre, comme c'est à la frontière, on va faire un port militaire. Je vais faire un temple pour le Tengrisme. La caserne, on va la détruire totalement. Et ça, on va le transformer en bâtiment sanitaire pour la ville. Donc on a déjà perdu 10 000. Hein. Et là, on va faire une taverne. Ou alors, attends, ça c'est quoi ça déjà? Il y avait une petite subtilité, je crois, entre les deux. Un grand hall, c'est quoi la différence? Plus de taux de recherche ici. Ouais, on va faire ça. Du taux de recherche, ça semble pas déconnant, un grand hall. Donc là, ça c'est déjà fait. Samanda, on va laisser le pâturage, mais on va reconvertir le pâturage de Tanaïs en champ. Donc ça, c'est déjà fait ici. On était déjà en train de former une nouvelle armée dans le secteur. Donc cette armée-là étant complète, on va déjà la remonter vers le nord, vers les steppes. Et j'ai formé une nouvelle armée à Silis également. Donc je vais faire un quelqu'un qui a de l'influence. Ça c'est bien. Donc on va former 4 guerriers UA déjà pour commencer. Ouais, on va faire ça. Au niveau de la diplomatie, bon. Là le plan dans l'épisode, on va essayer de s'emparer de la city. Donc on va déclarer la guerre aux Magyars. J'en suis pas fier, mais bon, ça pourrait être un plan. Et ensuite, on devra s'attaquer aussi à l'Abkhazie, qui posséderait toute la Transcaspia, apparemment. Donc, voilà. Ils sont alliés de personne, donc ça, c'est un avantage. Pareil pour les Magyars, donc ce sont des cibles, entre guillemets, faciles. Et ça permettrait d'asseoir notre domination dans les steppes, quoi. Et faire un peu l'empire des steppes qu'Attila souhaité, quoi. Avant, un jour, de nous attaquer à l'ouest, à l'Empire romain d'Occident et toutes les factions. Ça semble être un bon plan pour cette fin de... En tout cas, limite de première saison, même si je ne pas de séparation. Donc les Visigoths, ils sont neutres avec nous. On pourrait les écraser, mais bon. Pour le moment, c'est pas la peine. Voilà, donc les prêtres qui servent à rien. On va regarder un petit peu dans les provinces. Là-bas, c'est exempté de taxes pour le moment. Je vais juste les remettre pour voir ce que ça donne. Ah ouais, non, on gagnerait pas mal de sous grâce à tout ça. Donc ça, c'est bien. Ouais. Donc on va remonter vers Ra'a. Là c'est pareil, on a une autre arme en cours de formation. Donc on est plutôt pas mal. Je vais peut-être améliorer mon ramar ici au niveau 2. Là on a les puits, on est bon. On va améliorer les fourrures ici. Quoique on va peut-être garder l'argent. On va garder 3000 quand même, c'est toujours ça de prix. Et on verra ce que ça donne. Donc voilà pour ce premier tour. Donc la city, ça va être l'objectif de conquête de cet épisode. Voilà. Donc on est en hiver aussi, 445, mais ça va, on s'approche. Donc voilà pour ce premier tour. Au niveau politique, il n'y a pas grand chose à faire, donc ouais, on est très bien. Ah si, peut-être faire gagner du soutien, ce serait parfait. Alors, une bonne nouvelle de ce printemps 446, 6% de contrôle en plus grâce à Attila. Alors les terrains d'entraînement sont détruits à Anacopia, on va remettre quoi ici? On a ça, on a ça. On va pas mettre de ferme ici, c'est pas la peine. Samandar, je vais mettre une forge. Peut-être que je ferai un marché ici, tiens. Vu qu'on est dans un lieu commercial, peut-être un marché d'ambre ou ce genre de choses, ça pourrait être pas mal.
Au niveau des technologies, on est en train de faire les terres managériales ou manoriales, je sais pas comment le traduire. Et après, on va partir sur ça, quoi. Et après, on retournera dans le militaire. Bon, là, on est bon. On va faire gaffe à Sarai, par contre. Donc là, on est, je pense, à un ou deux tours de Sarai, au cas où. Donc là, le plan, c'est d'utiliser une de nos armées au nord pour aller taper. Donc il nous manquerait quoi? Alors Sarai, Raa, c'est ici. Bolgar, c'est... Ouh, c'est tout au nord là-bas. Ah ouais. Je l'avais pas vu comme ça, mais bon, c'est pas grave. Bon. On va déjà regrouper nos armées ensemble. Raa, il n'y a personne, c'est ça? Ah, s'il y a du monde quand même, ok. Bon, on va recruter quoi? Deux cavaliers de choc ici. L'armée là est quasiment prête. Qu'est-ce qu'on peut recruter d'autre? On a quatre archers. On va recruter deux pilleurs d'estée. Ça va nous faire déjà assez de cavalerie. Et je pense qu'après, on va. Il va nous faire des archers aussi, hein, à un moment ou à un autre. Donc là, c'est bien. Là, on va rien bâtir, on va voir un peu de construction, non. Donc on pourrait faire un dépôt de commerce ici. On va le faire en Dalmatie. Là, on va améliorer le temple, on va refaire une ferme. Ouais, bon, on a tout dépensé, mais au moins ça nous fera des constructions qui nous rapporteront de l'argent à terme. Donc on va déjà faire ça, ouais. Donc là, on voit une belle armée, et ça, c'est cool. On va voir s'il n'y a pas d'autres trucs en politique. On va surveiller un peu 10 sur 10, 10 sur... 5 sur 10, Gaïsme. On va encore essayer de sécuriser sa loyauté. On l'avait déjà fait dans il y a un ou deux épisodes. Mais c'est bon, c'est pas mal. Punaise, la descendance d'Attila, là, il a une fille, deux filles et trois fils. Donc là, enfin, non, il a deux fils, c'est bien. Et dans l'autre faction, là, des Yazis, ben, il y a une fille qui est là. Ok. Normalement, Yazig n'existe plus. Faut la tentative d'avantage de contrôle a échoué. Donc, en Dalmatie, on a un surplus de population. On va le mettre où? À Domavé, on va faire une nouvelle ferme. On a rencontré les Burgondes du Sud. La paix négociée entre l'Espagne et la Bretagne. Alors, lui, il a gagné un trait. Les terres managériales sont développées. On va faire la technologie là. Ça va nous coûter 2500, mais ça peut être un bon investissement à terme. Et là, on va recruter quoi? On a deux archers, on va recruter trois lanciers. Et peut-être un archer de plus, comme ça fera pas de mal. Et là, j'ai commencé à avancer. Alors, je fais attention, on a 8 unités, ouais. Il manquerait peut-être un peu de cavalerie, je pense. Ou des archers. Donc on va faire ça, on va tourner deux tours et après on partira pour Raa. Je pense qu'on aura la puissance nécessaire pour s'en sortir. Donc Samanda, on développe la ferme ici. Voilà, donc là il y a pas mal de bonnes choses qui se passent ici. Je laisse une armée stationnée à Nakopia si jamais il y a une attaque provenant des peuplades d'Orient. C'est une armée qui est compétente, je pense, avec ses troupes. Je me fais pas trop de soucis là-dessus. Hop, donc là l'armée de l'Arménie elle va avancer sur Sarai, j'espère qu'ils vont pas la tomber, sinon ça va être problématique. Et Samandar, ça se développe plutôt bien. Donc on aura une nouvelle unité de cavalerie en plus si jamais. Mais bon, je pense pas qu'ils vont tenter de la. Alors il semble que la unité de guerre me fasse à nouveau parler d'elle. On va essayer de voir si on peut pas l'assassiner, mais bon. C'est un gouverneur, ça m'embêterait un peu. C'est le gouverneur de Dalmatie en plus. Je vais tenter un assassinat, tant pis. Ça fait trop de fois qu'il nous fait le coup de sa trahison. Sa loyauté entre guillemets défaillant, donc je vais pas prendre de risque. Et là, je vais prendre un. Alors, j'ai des cavaliers de choc. Je vais prendre un dernier guerrier UA, je pense, pour cette armée, ce serait parfait.
Et là, les trois archers UA d'élite. Ça devrait être suffisant, j'espère. On peut faire des villes de niveau 3. En plus, on a tout le civil 2. Et là, on va partir sur l'armée, là, 9 tours. Et on aura l'infanterie du Bosphore qui remplacera les guerriers du Bosphore. En garnison, ça pourrait toujours être un plus. Donc c'est cette unité-là qui va être remplacée à terme. Pourquoi pas. Et les villes de niveau 3, ça coûte combien? 4320, ouais, c'est un coup, quoi. Mais si on arrive à déjà faire celle de Dacia en priorité, les petites villes, ce serait pas mal, comme c'est la province capitale. Donc voilà, ok, bon, il n'y a plus grand chose à faire. Alors, il semblerait que les séparatistes romains aient été détruits. On a blessé Geism. On peut pas tenter de l'assassiner à nouveau, mais c'est pas grave. Lui, on peut pas le bannir, un truc comme ça aurait été marrant. Alors, on va déclarer la guerre au Magyar, comme a prévu. Voilà, je pense qu'avec les deux armées combinées, ils ne font pas le poids. On a plus de tireurs qu'eux. Ra vient de tomber. On va détruire ça. On va garder la ville là. Ça aussi. Ouh. L'attrition ici, je sais pas ce qu'il y a eu, mais waouh. Putain, on a pris cher la vache. Oh, les no-corps, la cavalerie unique démoniaque, les embusqueurs 1. Waouh, oh, y a pas mal d'unités de cavalerie qui sont débloquées d'un coup. Les guerriers Skiri. Oh, ils sont meilleurs que nous lancer des steps, ça je vais peut-être en prendre, tiens. C'est pas un mauvais plan, ça. Ah, ça met deux tours. On va attendre les deux tours, hein. Je pense que ça peut valoir l'investissement ici. Plus de ruse, comme ça il a ruse 6. Là les chevaux, on les buff. Ouais, bon déjà on est bien, par contre, à Moramar là. On a une petite garnison. Et je vais peut-être faire un artisan quand même. Et je vais voir pour fortifier Moramar et Silice déjà. Parce que comme on est à la frontière avec les Magyars, on sait jamais quoi. D'ici deux tours, on aura la reconstitution. Là, là ça va être combien? 2-3 tours. Ouais, bon. Ouais, fusionner tout ça. Ouais, ça devrait le faire. Hein. Donc pour le moment, on reste stationnaire ici. Les Magyars, ils ont plus que ce territoire-là, mais ils vont vite tomber, je pense. Oh, bah, il y a un autre gars qui s'appelle Bleda ici, c'est marrant ça. Speak, I will listen. Oh, on peut peut-être faire une confédération. On va lui demander quoi? 3000. Non, il voudrait pas. 2500 peut-être. 2008. Parfait. On vient de faire un petit bon petit mouvement là. On récupère. Oh, il avait deux armées le mec. Alors, Bolgar, comment il l'avait construite? Ouais, ça me plaît, mais je vais reconvertir en. Alors, on a une fertilité néante, on va faire ça. On va détruire ça par contre. Voilà. Oh, il avait deux bonnes armées. Bon, on va se regagner un peu de sous, là ça va faire du bien, là on va former les troupes nécessaires. Et je pense qu'après on va aller descendre vers Sarai, là on va essayer de s'occuper de l'Abkhazie. Ça va être notre objectif, et peut-être même qu'on pourra commencer à entrer en Transcaspia avec un petit peu de chance sur l'objectif, avec un petit peu de chance. Par contre je sais pas, est-ce que ça compte comme une faction détruite quand on confédère? Apparemment oui. Je dis bien apparemment. Bon c'est cool hein, mais... Parce que là, il nous faut encore 7 factions. Donc là, ça ferait 6 avec l'Abkhazie. L'Illyrie, pourquoi pas. Les Langbars aussi. Les Rugiens, là. Donc là, on pourrait faire un bel empire. Ouais, il y a peut-être moyen d'avoir la victoire militaire. The Lord will have me listen to you, but do,
Ah, Théodoric Legault, ouais. Mais bon, je pense que là, on va être calme. On va pas faire. Ah, non. On a eu une mauvaise nouvelle. On a eu Ashbar qui est mort. C'est le fils de qui, ça? Pas mal de fonctions qui ont cessé d'un coup. Alors, Ingrid, on va remettre au juge. Lui, Gabor, il reste chef tribal. Lui. On va le remettre au juge. Ah, lui aussi, il va s'y mettre. Ah, putain. Je vais essayer de sécuriser sa loyauté aussi. C'est un peu chiant, ça. Ah, il y a encore un Bléda ici. Punaise, vous êtes nombreux, les mecs. Ah, lui, il a gagné un rang. Plus de portée de campagne pour l'armée, ça me semble bien utile, ça. Je peux recruter autre chose ou pas? Des archers montés uniques. Je vais regarder un peu si on peut les avoir. Ouais, là on va avoir peut-être des bonnes unités à terme ici, donc c'est pas mal. Je vais déjà me mettre en route avec cette armée-là pour Sarai, pour voir ce qui nous attend. Lui, il a gagné un rang aussi, on va lui mettre quoi? Je pense que plus de portée de campagne, c'est pas une mauvaise chose. À Sarai, il y a une armée qui garde, ok, ils ont quoi? Cavalerie du Caucase, ils ont pas mal d'archers du Caucase aussi. Ouais, il y a moyen de faire quelque chose, je pense. Ok, bah il va y avoir une déferlante de 1 sur la cité de Sarai, ça va faire tout drôle. Ok, ok. Donc, en Dacie. On va faire l'amélioration de ces deux cités déjà. Ça, au niveau supérieur également. Un puits ici, ouais, ça va être pas mal tout ça. Ah, il y a des séparatistes qui sont... On a réussi à sécuriser la unité de la personne qui a failli... qui a failli faire une connerie. Donc là on a notre gouverneur Bendouki qui a pris un rang, on va lui mettre plus d'autorité encore. Une nouvelle guerre est déclarée entre les Burgondes séparatistes et les Illyriens. On a construit pas mal de bâtiments intéressants. Donc je vais faire une forge ici, ça peut être utile, du recrutement. Je vais placer l'armée à Ra en attendant. Je vais mettre deux pilleurs des steppes et deux archers montés pour commencer. Donc je vais me servir de ces deux armées combinées pour attaquer l'Abkhazie. Ok, il y a l'Arménie en supplément. Oh, ils ont des sortes de lanciers du Colchide, c'est bien ça. Je pense qu'à 3 avec tout ce qu'il y a, on devrait s'en sortir. Ouais. Et on occupe, on pourrait libérer les Sabirs, mais c'est pas la peine. Alors, à Sarai, on va garder ça, ça, on va le garder aussi. L'hôtel du Tengrisme avec. Et la cité au niveau 2 aussi. Donc là, on a tous les chevaux qu'il nous faut pour ça. On a une tradition d'armée à signer pour l'armée ici. Plus de taux de tir pour notre armée. Et là, qu'est-ce qu'on va rajouter? Moins d'entretien, c'est toujours ça de prix. On va essayer de nommer un gouverneur dans le secteur en city. Un gouverneur qui a un trait intéressant. Donc on n'a plus assez de soucis pour ça. Mais bon, là on pourra peut-être faire un petit séjour en Transcaspia. On a la cité de Siakou en visuel, on sait que Daistoria est 4 également. Donc avec ces deux armées, ça pourrait être un bon move, quoi. Donc ça veut dire qu'il ne reste plus que 3 provinces à récupérer, ce qui est pas mal. Donc là, je vais voir si je peux pas recruter des cavaliers de pilleurs des steppes. Je pourrais peut-être en recruter une avec de la chance, non. Les Nocor, ils ont c'est des bonnes unités, ça. Cavalerie unique démoniaque, c'est pas mal non plus. Hein. Alors, en tout cas, il y a des choses intéressantes et ça, c'est cool.
Pour recruter également un agent pour encourager la dissidence, mais ce serait raté, là c'est pareil. Ouais, ça c'est bien. Ok, on va rebâtir un peu la ville. Là, on est pas mal. Ça, on n'a plus besoin. Par contre, il y a une incursion de l'Abkhazie. Là, ça me fait un peu peur. Ouh, ils ont des cavaliers à l'un ici. Ça, ça pue un peu. Hein. Je vais rester pas long. On va surveiller un peu ce qu'ils font. Ils sont encore coriaces ou pas, l'Abkhazie? Ouais, ils vont poser un peu de résistance, mais ça devrait aller, je pense. Donc, on a une province, donc ouais, la Transcaspia sera notre cible. L'Empire des Steppes. Ouais. Ils ont de l'attrition, donc c'est bien aussi. Hein. Ils ont des troupes de montagnards, donc ça, c'est un peu dangereux à mon goût. Putain, ils ont gagné de l'expérience, hein. C'est dingue ça. Les lanciers, on va les remplacer par des lanciers scrire. On peut en avoir 3, donc c'est bien. Par contre, il nous manquerait une unité, quoi. Bon, on va déjà recruter ça. Peut-être un archer unique, allez, ouais. On aura 5 archers uniques, mais c'est pas grave, avec l'armée qu'on a. Je pense que ça peut le faire. Donc, on va juste passer le tour. Je suis désolé s'il n'y a pas de bataille pour le moment, mais alors, ça va le plus tarder. Abzik et Amage ont donné naissance à un enfant. Ici, on va... Cette armée là-bas, je sais pas où elle va, mais c'est un peu inquiétant. Hein. Je vais essayer de voir avec cette armée ce qu'on peut faire. Bon, on va déjà se mettre ici à notre frontière, on verra comment ils réagissent. Ils peuvent pas nous intercepter pour le moment. Après, notre deuxième armée est quasiment reconstituée ici. À Bolga, on va faire quoi? On va faire ceci, et puis je vais faire une ara et ça. Comme ça, on aura une nouvelle unité supplémentaire de guerriers du Bosphore en défense. C'est jamais perdu, j'ai envie de dire. Et ici, on a quoi? On a ça. On pourrait faire aussi un artisan. Il faut faire plus de bâtiments pour qu'il nous rapporte de l'argent. Donc la teinture, ça, on pourrait le monter aussi. Et on va monter quoi? Quoi d'autre comme ville? Ça coûte cher, hein, des villes à monter. À Domavia, on va faire des champs. Merci, ce qui on va améliorer ça pour une meilleure garnison encore. Bon, même s'il y a une armée qui garde, je pense que ça va pas trop poser de problème. À Kouilé, il y a une grosse garnison, dont une flotte, des épéistes fédérés. Ça remplace les légios, je pense. Ils sont pas mauvais, hein. Alors, Genou, il continue de faire parler d'eux avec une mauvaise loyauté. Ah, il a 2, hein. Donc là c'est pas mal, est-ce qu'on peut avancer au cas où? Parce que j'ai peur que... Alors ça, est-ce que ça peut se défendre ou pas? Il y a quand même 8 unités, hein. Là je sais pas combien ils vont perdre d'hommes. Là-bas on a une armée qui pourrait les choper, mais ça dépend où, quoi. Ils sont 17, c'est ça le souci. J'ai recruté des mercos pour essayer de compenser. Une catapulte, ce serait pas trop. Deux archers montés. Donc là, j'utilise vraiment les mercos, mais là, je pense que c'est vraiment un cas de force majeure, quoi. Et j'essaie de commencer à avancer vers Siaku avec mon armée. Il n'y a personne, apparemment. Qu'est-ce qu'ils ont en garnison complète? Ils ont des cavaliers à l'un? C'est étonnant, ça. Mais la garnison, elle est prenable. Je vais quand même faire cette bataille. On a des archers montés pour se faire les cavaliers. Je pense qu'on doit s'en sortir normalement. Donc voilà, on va se retrouver pour l'assaut de Siaku. Ok, donc je retrouve pour l'assaut de la cité de Siaku en Transcaspia. Donc mon armée, j'ai déployé de la manière suivante. J'ai mis mes archers UA ici en position. Ils ont plutôt classe avec le petit skin de rework que j'ai mis. Bon, c'est pas mal. Donc les 3 au tir lourd, si jamais c'est l'infanterie. Derrière eux, j'ai mis les guerriers UA au centre, les 4. Sur chaque côté, un lancier des steps. Donc 1, 2.
et le troisième derrière les onagres. L'onagre ici pourrait essayer de tirer sur cette tour, si on peut rentrer rapidement. Je pense que je vais essayer de leur avancer un peu. Voilà. Derrière la cavalerie de mêlée, donc les cataphractaires des steppes de base, ainsi que les pilleurs des steppes avec des javelots, donc pour faire un peu de dégâts. Le chef de seigneur de guerre Riva en arrière. Et enfin là j'ai placé tous mes archers montés pour voir où vont sortir les cavaliers de la garnison. Voilà. Pour faire du tir d'escarmouche. Donc là j'ai tout de suite commencé mon plan. Péter la porte. La tour, pardon. Donc je vais essayer de jouer un peu avec ça. Donc là ils peuvent commencer à tirer je pense. Attention ici hein. The enemy should know when they are. The enemy has been spotted. Attention hein. Par contre ils ont l'air de faire très mal leur cavalier alain. C'est assez dingue quoi. Donc là ils sont déjà en train de craquer, bon en même temps que tous les tirs à l'enflammé qui se sont pris. Bon c'est bien, ça va nous faire une unité en moins déjà, c'est toujours ça de prix. Il faudrait juste qu'ils sont combien encore. C'est parfait, une unité de cavalier a été mise en déroute déjà, c'est un début. Donc là j'essaie de mobiliser un autre lancier ici, pour voir comment ils vont réagir. The enemy tower is no more than wreckage now. Oh, ils vont nous faire une charge massive, c'est ça? Reculez, reculez. Ok, ils tentent une charge massive, ils sont motivés là. On va contrecharger là. J'ai envoyé les guerriers à chercher ici. Our general is under attack. Donc là il faut essayer d'encercler l'armée. Hein. Bon par là on gagne avec la cavalerie. Oh, je m'attendais pas à une charge massive de... du général, mais bon. Là c'est bon, on l'a emporté. Là il faut tirer dans le tas, dans le dos en plus. J'ai activé la frénésie sur ces guerriers contre les lanciers du Caucase. Je vais dire à ça, aux archers de s'occuper de ça. La bande de guerriers qui ont fui, mais bon, en même temps avec les dégâts qui se sont pris. Attention ici au tir. Ouf. Ça sort la grillade. Donc là je vais commencer à ouvrir le feu sur les lanciers qui arrivent ici. Allez, on les cartonne. Alors l'artillerie qui commence à faire feu sur le capitaine de garnison. Ouh, le joli shoot là, en plus avec les tirs de son côté. Là les lanciers vont commencer à prendre très cher. Voilà, bon, je pense que c'est gagné. Bien, voilà. Donc l'armée menée par le chef de guerre, le seigneur de guerre Riva, a réussi son entrée en Transcaspia avec la prise de Siakou, donc un peu plus de pertes que prévu, mais la victoire est là et c'est l'essentiel. Donc on va juste occuper. On pourrait libérer les 1 blancs, mais bon, c'est pas la peine. Ils ont été faibles, et puis c'est tout, quoi. On va avoir d'autres lanciers scrir ici. On va temporiser un peu. On va remplacer nos lanciers des steppes par des lanciers scrir, comme demandé. Donc là, on peut faire quoi? On peut garder ce puits, déjà. Ça, on le détruit. Ça aussi. Et la cité, on la garde au niveau 3. Ah, c'est directement 4 après. Ouh, ça va être costaud, ça. Par contre... on va voir comment réagit l'autre armée ici. Si elle redescend vers le sud, ce serait parfait. Comme ça, on pourrait l'intercepter, peut-être, avec un peu de chance.
Et là, je vais améliorer ça au niveau 3. Je vais essayer de me faire des constructions. Ici, le temps. Ouais, ce sera bon. Donc, on va juste passer ce tour. On verra ce qui nous attend après. On va voir s'il y a une autre armée qui remonte. Toujours l'agent qui continue d'exploiter la corruption. Ah, on a perdu... Oh, on perd beaucoup de pouvoir, là. Faut faire gaffe, hein. On va essayer de sécuriser, mais bon. Là, ça fait quoi comme effet à l'heure actuelle? Ouais, moins d'intégrité et tout. Faut qu'on commence à remonter la pente là. Alors ça, on va le détruire. Ça, on va le reconvertir. Ça aussi. Putain, il y a du fer à 4. Ça, c'est cool. On aura encore plus de fer ici. Et l'autre armée là, où est-ce qu'elle est? On pourrait aller la chercher, hein. Sûr qu'il y a moyen. Il va arriver, il va se barrer, vous allez voir. On parie qu'il s'en va. Putain, il se casse encore, c'est pas possible. Je vais me mettre pas loin de l'autre armée, on va essayer de les choper, de les coincer. Sinon, ils vont être vraiment une menace assez chiante à gérer, quoi. Je vais faire plus de croissance ici. Là, c'est bien, c'est bien. On va commencer à améliorer les villes ici. Parfait. Et au prochain tour, donc on terminera cette technologie-là pour l'infanterie du Bosphore. Et on fera aussi le combat à distance pour les archers de cavalerie. Ok, Gazon qui continue. On regagne du pouvoir, ça c'est bien. Putain, l'influence d'Attila a bien diminué. Par contre, ça c'est un peu dommage. Je vais voir, je peux aller chercher 4 ou pas. L'armée d'Arménie, là, elle est bien amochée. 4, il n'y a personne. Pour l'instant. Enfin, personne à part tout ça, mais bon. On va aller faire quoi? Une ferme et un artisan. Et peut-être un artisan ici, tiens. On va faire notre technologie en attendant. Ils sont casse-pieds, hein, sans déconner ceux-là. Je vais dire à une de mes armées de traquer cette armée. Alors ils peuvent attaquer quoi, Ra'a. Bon, il y a quand même une bonne garnison. Les Bolgares. Bon, il y a moins de garnison en Bolgare. Je pense qu'ils vont peut-être privilégier Bolgare en priorité. Et j'ai envie la seconde armée. Je vais quand même continuer la conquête de Transcaspia. Donc dans deux tours ils seront là je pense. 4 hein. Peut vite tomber si on fait bien on fait bien les choses. Bien, donc, alors comme on fallait s'y attendre, les forces de l'Abkhazie décident de nous attaquer à Bolgar. Donc c'est la ville la moins défendue entre guillemets. Ils ont pas mal d'unités, par contre beaucoup d'archers, ça va être un peu compliqué. Ils ont de la cave aussi, donc ça va être compliqué de défendre, mais on va essayer de faire le plus de pertes en espérant que la deuxième armée puisse s'en sortir quoi. Donc je vais vous laisser là pour cet épisode, la prochaine fois on commencera par la bataille pour la défense de Bolgar, j'espère que ça va bien se passer. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre à faire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire pour suivre l'actualité de la chaîne. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, les amis, n'oubliez pas la page Tipeee dans la description. Je vous remercie à tous d'avoir suivi, les amis, c'était Kaiser von Karstein, merci d'avoir suivi et à bientôt.